La question est de développer ici et de réduire trois expressions. La première, le carré de 5 plus racine carrée de 2. On reconnaît ici la première identité remarquable, qui est donc le carré d'une somme, et qui se développe par le carré donc, de 5 plus le double produit 2 fois 5 fois racine carrée de 2 plus le carré du deuxième terme. Alors le carré de 5, ça fait 25, plus 2 fois 5 fois racine carrée de 2, 2 fois 5, 10, plus le carré de racine carrée de 2, ce qui fait 2. On peut ajouter les deux parties entières, 25 plus 2, ça fait 27, plus 10, racine carrée de 2, et encore une fois ici, ce serait absurde d'écrire ça 37 racine carrée de 2, puisque il n'y a pas de factorisation possible par racine carrée de 2, on ajoute deux termes là, qui n'ont rien en commun, donc on ne peut absolument pas simplifier cette écriture-là, qui est l'écriture finale. L'écriture suivante, 3 moins 2 racine carrée de 5 au carré, le carré de 3 moins 2 racine carrée de 5, on obtient donc là le carré d'une différence, c'est donc la deuxième identité remarquable, c'est le carré de 3 moins 2 fois le double produit, 3 fois 2 racine carrée de 5, à quoi j'ajoute le carré du dernier terme. Le carré de 3, ça fait 9. 2 fois 3 fois 2 racine carrée de 5. Alors, si on multiplie les trois nombres entiers, 2 fois 3, 6 fois 2, 12 racine carrée de 5, plus, et maintenant je calcule le carré de 2 racine carrée de 5. Le carré de 2, c'est 4, et le carré de racine carrée de 5, c'est 5. Donc c'est égal à 4 fois 5. 4 fois 5 qui va faire 20. Donc 20 plus 9, ça va me faire 29 moins 12 racine carrée de 5. Et enfin, pour terminer, le troisième calcul, la troisième expression, le produit de la différence de 2 racine carrée de 3 par la somme de 2 racine carrée de 3. On reconnaît la troisième identité remarquable. A plus A moins B facteur d'A plus B, qui est égal à A carré moins B carré, qui est donc égal au premier terme au carré, moins le suivant au carré. Le carré de 2, ça fait 4. Le carré de racine carré de 3, c'est 3. Et 4 moins 3, ça fait 1. Un petit peu étonnant comme résultat. Mais le produit de 2 moins racine carré de 3 par 2 plus racine carré de 3 pourrait s'attendre à un résultat bien compliqué. Au final, on tombe sur 1.